はい、皆さん、シンシーでございます。お元気ですか？今日はどんな日でよっかな。花火ですね。で、実際には今週新潟の方に行って、長岡の花火 大会に行ってきましたんですね。やっぱりどうして敬語を、そんなに敬語を使いたい下手くそなのに。ごめんなさいね。で、ね、まあ、最初は、フランス人が、日本の素晴らしさを知るため、新潟の方に行って、ビデオ撮影して、まあ、花火のことを、紹介しようと思っていたので、まあ、ついにやりましたんですね。でも、まあ、フランス人のためだから、ほとんどのビデオはフランス語ですね。フランス語で。ごめんなさい。フランス語です。フランス語で。で、でも、まあ、日本人でも興味があるかもしれないですから、まあ、やっぱり、日本語でも、このビデオを載せようと思っているんです。それで、まあ、皆さんが楽しめるように、頑張りましたので、まあ、よろしければご覧でください。じゃあ、皆さん。Salut les amis, c'est Shinchi depuis le Japon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus en direct du Japon pour une nouvelle vidéo vlog cette fois-ci. Donc, comme je vous en parlais depuis un certain temps sur ma chaîne YouTube, donc on va dès cette semaine aller voir un des plus grands feux d'artifice ici, à Nigaoka plus précisément. Donc un feu d'artifice qui va se passer au bord de la rivière, à la japonaise pour ne pas changer, pardon, avec le contre-jour. Donc la gimbal, enfin le logiciel de DJI a du mal à focus, donc je vais changer. Donc je disais, on va aller cette semaine à Nigaoka, ici au Japon. Donc c'est un peu plus haut que Saitama, donc c'est en campagne. On va aller au bord de la rivière observer l'un des plus grands feux d'artifice ici au Japon. Enfin, il fait partie des plus grands feux d'artifice. Donc un show qui va s'étaler sur 2 jours et qui va durer au total 2 heures par jour, ce qui fait 4 heures de feux d'artifice. Je filme avec, je serai avec mon iPhone, donc du coup vlog qui se fera via le téléphone, et j'ai peur que je n'ai pas suffisamment de mémoire ni de capacité en termes de matériel pour vous offrir une vidéo blog digne de ce nom, mais on va essayer de faire le maximum pour vous offrir une qualité, je l'espère, qui sera vous ravir. Ça va être la vidéo qui marque l'entrée de ce vlog. Et bon, bah, il y a des habitations autour, il y a des gens qui habitent, j'ai pas envie de déranger, donc vous comprenez que j'essaie de rester plus ou moins silencieux. J'espère que le micro, en tout cas, fera le taf, le micro de l'iPhone. Alors j'espère pouvoir investir très prochainement dans un meilleur micro, et j'essaierai aussi de regarder un peu plus l'objectif qui est de ce côté-là. C'est pas une caméra comme j'ai l'habitude de la voir, enfin c'est pas une webcam quoi, où je peux parler en face, là il faut que je regarde un peu plus à l'extrémité, c'est un peu plus compliqué, donc je m'excuse, mais j'ai pas le choix, le temps que je me run en vlog. J'espère que ce sera vite fait et que je m'habituerai assez rapidement. Bon bah les cigales qui chantent, c'est l'été ici, donc voilà, donc j'espère que je vais pouvoir vous faire une vidéo vlog digne de ce nom cette semaine, et vous la poster sur YouTube le plus rapidement possible afin de vous partager la beauté du Japon, la beauté de ce feu d'artifice. C'est pas les feux d'artifice à la française, c'est vachement grand, et j'espère que ainsi je pourrai vous proposer un contenu de qualité.
On est arrivé enfin à Nagaoka pour vous présenter le feu d'artifice pour le vlog. Ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de, monde et il y a beaucoup de bruit. Donc ça va être assez compliqué vu que j'ai pas de micro pour vous proposer quelque chose de qualité optimale. Mais on va faire au mieux. Donc là on va se diriger vers le lieu. Ça y est, on est arrivé à la gare de Nagaoka, donc du côté de Niigata. Et du coup, là on se dirige pour prendre nos places. Donc ça y est, on a le fameux sésame ici pour la réservation, parce qu'il fallait réserver. Et là on y va. Donc on se retrouve à l'extérieur, on fait une petite pause avant d'arriver à la rivière parce qu'il fait vachement chaud, 40 degrés aujourd'hui au compteur. Il fait très très chaud, on a également des alertes pour tout ce qui est éviter de s'évanouir par rapport à la chaleur, il faut faire attention, de bien s'hydrater et tout parce que là il fait vachement chaud et le taux d'humidité est vachement élevé. On doit être à 80% de taux d'humidité et c'est assez compliqué. Donc là on fait une petite pause avec ma femme avant de partir, on a le temps, donc on peut arriver sur nos places et s'asseoir et attendre jusqu'à 17h que ça commence. Mais en fait c'est ouvert dès 15h. Donc on va se retrouver sur les lieux juste après. Donc il y a plein de gens qui passent là, on sent l'ambiance un petit peu. Le temps est un peu couvert, moi ça m'arrange parce que pour le vlog c'est mieux étant donné que la lumière elle est mieux. Donc voilà. Donc j'espère que ça va être fantastique. En tout cas j'espère pouvoir vous filmer de très belles images de feux d'artifice ici à Niigata à Nagaoka. Donc c'est l'un des plus grands. J'espère qu'il sera bon à dire. Donc let's go, c'est parti, suivez-moi. Donc salut les amis, on se retrouve du coup, on est arrivé au lieu où on s'est posé quoi. On a posé notre petite toile au sol avec moi j'ai fixé l'appareil photo, donc je me suis déjà mis prêt à cadrer les shoots. Donc l'appareil photo montre déjà des signes de fatigue
le buffer n'est pas suffisamment puissant pour encaisser ce qui va arriver. Donc je suis quand même un peu inquiet. Pour ce qui concerne le vlogging, je ne peux pas parler très fort à cause des restrictions qu'il y a à cause du Covid. Donc on nous demande d'éviter de parler très fort et de faire trop de grandes discussions. Ouais. Ils sont en train de le répéter. Et donc, je vais laisser passer. Hein. Ça va être compliqué, hein. Je le sens pour le vlogging, ça va être compliqué. J'ai pas de micro en plus, ça va être très compliqué de distinguer ma voix, je pense, avec. Parce que c'est assez bruyant. Moi-même, je m'entends pas parler, donc ça va être compliqué. J'évite de trop monter ce qu'il y a derrière et tout, parce que bon, bah, y a quand même pas mal de monde et ils n'ont pas forcément d'avoir envie d'être sur la vidéo, donc c'est assez compliqué. Là, je suis un peu fatigué parce qu'il fait très 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 chaud. Donc je le répète, il fait 40 à 41 degrés aujourd'hui. Vraiment, là, même sans bouger, là, j'ai de l'eau qui me coule sur le visage, la transpiration. Fort taux d'humidité, c'est juste incroyable et c'est très peu soutenable. Ma femme, elle est coulée à côté, là, elle est complètement claquée avec la chaleur. On espère que le feu d'artifice sera d'anthologie, mais je pense que oui. J'ai pas un appareil photo grand angle, c'est très compliqué de prendre une super bonne prise de vue. Et j'ai pas assez de recul, j'ai pas une place avec assez de recul pour pouvoir faire un beau shoot sur ce feu d'artifice. Donc on va faire ce qu'on peut. Et puis je vous tiendrai au courant, de toute façon je vous partagerai les photos. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Je vous partage tout ça. Je sais pas si je pourrais commenter comme là en vlog toutes les parties parce que c'est assez compliqué. On va pas se le cacher avec avec la quantité de monde qu'il y a. Je suis encore un petit peu timide, on va pas se le cacher. Et c'est assez compliqué de faire un vlog comme ça quand il y a plein de personnes à côté, surtout que j'ai pas envie de me lever et gêner tout le monde. Donc on va essayer de faire ça tranquillou. On va essayer de proposer une bonne vidéo et puis voilà. Je vous dis à tout à l'heure les amis, c'est parti pour la suite de la vidéo, let's go. Donc alors le temps est super couvert, je commence à avoir une grosse inquiétude, il y a une espèce de gros nuage tout gris qui arrive, peur que la pluie nous guette, ça va être très compliqué, je me tape une putain de douleur au trapèze ici à l'école, au niveau du dos à force d'avoir trimballé des choses lourdes et le trépied, la caméra et tout. Donc demain je pense que quand on reviendra faire la vidéo, parce que ça se passe sur 2 jours comme je vous l'avais dit, donc 2 jours ça fait 2 heures aujourd'hui, 2 heures demain, soit 4 heures de feu d'artifice en gros, de spectacle monumental. Aujourd'hui j'ai quand même un doute par rapport au temps, mais on verra bien ce qui se passe pour les jours suivants. Alors je vous dis, j'ai une putain de douleur là, à force d'avoir porté le trépied, le sac lourd, tout à l'intérieur, l'ordinateur et tout. J'aurais dû les laisser dans la voiture, j'ai complètement oublié, donc du coup, tant pis, hein, je me suis niqué l'épaule, j'espère que demain ça ira mieux. Et pour le coup, demain, je viendrai juste avec le trépied, l'appareil photo, et puis la gimbal et le téléphone et le truc à boire. Et pour le reste, on verra après comment ça se passe, parce que là, demain, je crois que je vais avoir des gros soucis, là même pour conduire ce soir en rentrant, parce qu'on prend le train pour aller, pour info. Donc on a atterri à la gare de Mitsuke. Et à Mitsuke, après, on a pris, donc c'est 3 stations plus après, donc on a pris le train, on a garé la voiture là-bas parce que le parking c'était le plus vide. Donc demain, je vais vous présenter le parking, comme ça vous allez savoir, pour ceux qui veulent venir ici, un parking parmi tant d'autres, mais qui est plus ou moins libre, vous pourrez stationner ici. Et la gare est juste à côté, il suffira juste que vous preniez le train. Et c'est 3 gares après, vous atterrez à Nagaoka. La gare de Nagaoka, donc c'est ici qu'après vous partez à pied. Bon, il y a une sacrée trotte quand même jusqu'au lieu du feu d'artifice, mais bon, je pense que ça vaut le coup. Donc pour les courageux, n'hésitez pas à venir. Donc je vais m'arrêter là et on va passer à la suite de la vidéo en espérant que le temps soit au rendez-vous pour le reste du shoot. Il a l'air de se dissiper le nuage. On verra bien de toute manière. Allez, à tout à l'heure, c'est parti. On attend avec impatience que le feu d'artifice commence. J'ai déjà fait le réglage. On verra si ça passe ou pas. Allez, à tout de suite. C'est parti, on va
on va passer au feu d'artifice, donc ça va pas tarder à se lancer avant qu'il fasse trop noir, donc c'est juste pour faire la petite scène de lancement. Donc le feu d'artifice va commencer, let's go, c'est parti. Thank you.
Thank you.
外各店で長岡花火を記念し、長岡の食材を使った商品や地域で馴染みのある代表的なメニューをイメージした。
はい、皆さん、このビデオはいかがでしたか？このチャンネルでは、ほとんどのビデオはフランス人向けですね。ただ、最近、私は、前、別のビデオをした日本語でね、紹介のビデオをしたので、もし、よろしければ、ぜひ見てください。でね、私はね、YouTuber になりたいんですね。今、そのために頑張ってるんですね。今、フランス人向けでやってるんですが、いずれ、日本人のためでも、ビデオを載せたいので、自分の経験、外国人にとしては、自分の経験とか、シェアしたいんですね。それで、今日みたいなビデオでも載せたいので、もし次のビデオとか興味があれば、ぜひこのチャンネルを登録してください。で、このチャンネルにかな？わかんない。ごめんなさいね。日本語がまだ上手じゃありませんので、頑張ってるんだけど、これやっぱり難しいんですね。勉強足りないので、もっと勉強しないといけないんですが、やっぱり少し怠け者かもしれないんだね。で、ね、次のビデオはどんなテーマかどうかわからないけれども、よろしければぜひ、ご覧でくださいませ。ご覧でくださいませ。やっぱ敬語使いすぎるんかな。わかんないんだな。混ぜてるんだな。敬語とか。もう、ダメですね、私。まあ、いいや。それでいいかもしれない。じゃあ、みんな、別のものがいるんだ。今、考えてる。この、チャンネルのマスコットかな。たらー、姫ちゃんです。可愛いんですね。少ししつこすぎるかな。ずっと私のところにいるんだから。朝でも私の上に寝てるし、私のことが好きかもしれないんだな、この猫は。まあ、それでいいかな。